Bastien, félicitations, tu viens de remporter le 50 000 garantie du Cercle Cadet. Qu'est-ce que tu as pensé du tournoi ? Je suis très content de ma victoire. Pour moi, c'est ma première victoire en live dans un tournoi important. Donc, beaucoup de satisfaction. Je pense que j'ai produit un jeu correct et avec un peu de chance, ça m'a permis de l'emporter aujourd'hui. D'accord. Quel est ton profil de joueur à la base ? T'es plutôt live ou online ? Je joue pas mal sur Internet. Je suis un joueur régulier online. Je viens parfois, j'essaye de venir une fois par semaine dans des cercles parisiens pour jouer, souvent en KGM, beaucoup de tournois aussi. Donc, plutôt un peu plus faible buy-in qu'aujourd'hui, mais ça a semblé réussir aujourd'hui. Ce tournoi, tu t'étais qualifié en satellite ou t'avais buy-in direct ? Non, j'ai buy-in direct, 400 euros. D'accord. Sur internet, c'est quoi ton pseudo, si t'as un pseudo qui est récurrent ou... C'est ChicTip78. Le cercle cadet, tu en penses quoi globalement ? C'est un cercle que je découvre, c'est la deuxième fois que je viens aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très professionnel, très convivial, l'ambiance est vraiment très très bonne et les joueurs sont vraiment bien considérés. Donc, pour ma part, c'est une très bonne expérience aujourd'hui. T'as pensé quoi du field pour le tournoi justement ? C'est-à-dire que c'est un field où donc, il y avait 150 joueurs. Il y a beaucoup de qualifiés grâce à différents satellites qui ont lieu à Cadet. Donc, il y a beaucoup de joueurs de styles différents. Donc il y a les qualifiés, les réguliers des joueurs parisiens et puis quelques joueurs online qui viennent s'essayer un peu comme moi à des tournois live. Donc, c'est un mix un petit peu de tout ça. Donc après, il faut s'adapter à chacun. Quoi. Est-ce que tu as senti que, de par ton niveau online poussé, tu avais un edge sur tes adversaires au moment de la table finale ou pas du tout ? Au niveau de la table finale, c'est difficile parce que la profondeur de tapis permet difficilement de développer un jeu correct. Mais j'en ai profité, disons, avant la table finale. À la table finale, c'est un peu plus... Il faut avoir de la réussite, il faut gagner ses rencontres, ses coin flips. T'as quand même beaucoup agressé quand vous étiez... très nombreux, vous étiez plus à partir du moment où on était 6, j'avais un gros chip lead sur la table. Donc, à partir de là, mon rôle c'est d'agresser, de mettre à mal les autres. Donc, j'ai essayé d'appliquer la pression et ça a assez bien marché. D'accord. Écoute, félicitations pour ce tournoi et je pense qu'on te reverra au Cercle Cadet qui doit te réussir vu que c'est la deuxième fois que tu viens. Absolument, bien sûr, je reviendrai. Okay.